Soir. On va changer un petit peu de registre là. On va faire un Rise of the Tomb Raider. Je sais pas si on ira au bout. Mais bon, pas envie de l'essayer, celui-là. Voir ce que ça donne. Qu'au niveau du son ça ira, j'ai pas de retour. Équilibrage en vert. Parti. Alors. Sur la. Expérience. Ici là. C'est où lui? Alors ça c'est la. De base. Et... Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à franchir les frontières de l'expérience humaine, à affronter l'inconnu? Quand on est enfant, on pose des questions tout le temps, on apprend, on accepte, et peu à peu, on perd notre sens de l'émerveillement. Sauf certains, les explorateurs qui cherchent la vérité. Ce sont ces pionniers qui dessinent l'avenir de l'humanité. Ces gars-là, ils sont cuits. On n'arrivera pas à les convaincre de nous emmener là-haut. La cité perdue est dans ces montagnes. Ça va pas être une partie de plaisir. C'est pas ce qui va m'arrêter. Je me doute. Tu devrais rester là, avec eux. Ouais, compte là-dessus. Presque. Tu vas être contente d'être montée, Lara. Attrape ma main. Merci. Regarde-moi ça. C'est incroyable. Mais la neige qui tombe de ces pics, c'est mauvais signe. La piste mène au sommet de la montagne. Quand on y sera, on aura une belle vue sur la vallée de l'autre côté. Bon, pas de geste brusque, hein. Souffle. Faut surtout pas qu'on s'arrête. Il est super bien fait. Tu sais, même si on découvre rien là-haut, ton père aurait été fier de toi. Je sais, mais je crois qu'on est sur la bonne piste. Je sais pas si le son doit pas être trop fort. Moi j'ai l'impression qu'il est pas assez fort là. Wow! Attention! Est-ce que ça va? Ouais. On va y aller doucement ici. Ça commence bien. J'avais pas vu que c'était un QTE. Lara! Est-ce que tout va bien? Jonah! Je suis là! Bouge pas! Je descends te chercher! Non! Attends, je monte. C'est trop dangereux! Je peux remonter toute seule! T'en es sûr? Bouge pas, je te dis! Oh, putain. Je voulais essayer un truc qu'il fallait pas.
Il va falloir que je saute. Ouais, c'est ça. Maintenant, prends ma main. Oh ah, je te tiens. Fais chier, Lara. J'ai failli avoir une crise cardiaque. Est-ce que ça va? Ouais. Allez, viens. Je vais baisser le son. C'est trop. Ce jeu, il me dit quelque chose. J'ai pas mal. Après, j'ai vu un let's play. On pourra toujours se réfugier ici. Est-ce que j'ai déjà joué? Je crois vraiment qu'on va trouver cette cité perdue. Je sais que c'est pas la plus fiable des infos, mais ce vieux guide a dit qu'il avait vu des ruines dans les montagnes. Ouais. Si je voulais cacher une ville tout entière, je choisirais un trou paumé comme celui-là pour le faire. La tempête se rapproche. On n'a pas plus de 2 heures devant nous. On n'a pas besoin de plus. On est presque au sommet. Qu'est-ce que t'en penses? On touche au but, Jonah. J'en suis certaine. Encore un petit effort et on y est. Très bien. Allons voir ce qu'il y a là-haut. Ça m'a l'air solide, mais reste quand même près du mur. Ok. À partir de là, il va falloir grimper. Attention aux morceaux de glace qui se détachent. Ouais, t'es prêt? Allez, c'est parti. Tout doucement. Reste avec moi. Attention. Oh la vache. C'était moins une. C'est complètement taré d'avoir des trucs comme ça en tout cas. Tu peux sauter? Bien sûr que je peux! Ça me après. Oh putain! Je crois que je vais pas pouvoir le faire! Bouge pas! J'ai fixé une corde pour toi là-haut! Ça marche! Je vais te donner un peu de mou! Donne du mou. C'est même pas si c'est physiquement possible ce qu'il faut là. Jonah, on a réussi. J'aperçois les ruines. Attends, je vais te remonter. Oh putain. Là. Regarde là. Vite. Balance-moi vers l'autre côté.
Oh merde. Pas trop fort le jeu, je pense. Oh merde. Comment vouloir si je suis nul? La pire des cruautés qui nous sont infligées et la brutalité avec laquelle la vie se termine. Nous vieillissons, nous déclinons, nous mourrons. Et quelles traces laissons-nous derrière nous? Des os, de la poussière. Que devient notre âme? Est-ce qu'elle quitte notre corps pour continuer à exister? Je pense que c'est le cas. De nombreux mythes et légendes reposent sur une vérité toute simple, pas une vérité scientifique, mais quelque chose de plus profond. Le secret si bien gardé de la vie éternelle. Je pense avoir découvert une nouvelle pièce du puzzle. Mais je ne suis pas le seul à poursuivre cette quête. Ils me suivent, ils épient chacun de mes pas. À présent, je sais qui ils sont. Les Trinitaires. Une ancienne secte aux méthodes violentes qui cherche à contrôler le devenir de l'humanité. Je dois agir avec prudence pour protéger ma famille. Si par malheur quelque chose arrivait à Lara ou à Anna, jamais je ne pourrais me le pardonner. Désolée, je t'attendais pas. Mais qu'est-ce que tu fais là? Il y a encore un article sur toi dans la presse à scandale. Je me suis dit que tu aurais besoin de parler. Foutaise. Tu as été suivie? Suivie? Mais bien sûr que non. Qu'est-ce qui se passe? J'ai enfin trouvé le tombeau. Tu ne parles pas sérieusement, j'espère. Le mythe du prophète est bel et bien réel. Papa avait raison. Lara, ton père était perturbé. Non! Il était sur le point de faire une grande découverte, une preuve tangible de l'immortalité de l'âme. Tu sais que j'aimais Richard. Je l'aurais épousé s'il avait voulu. Mais il était en piteux état.
Je ne veux surtout pas que tu finisses comme lui. Mais Anna, il avait raison. Ce sont tous les autres qui se trompaient. Le tombeau est en Syrie. En Syrie ? Oh non, Lara ! Pas ça ! C'est de la folie pure ! Il faut que tu te ressaisisses. Tu vas rentrer au manoir. Tu sais bien que je peux pas y retourner. C'est cette obsession qui a détruit ton père. J'ai été témoin d'une chose. Une chose que je croyais impossible. Maintenant, je sais exactement ce que ressentait papa. Ce ne sont que des légendes. Des contes de fées. Ne t'engage pas dans cette voie. Tu sais très bien où elle mène. C'est la seule chose qui ait du sens à mes yeux. Je vais trouver le tombeau du prophète, Anna. Bon. À partir de maintenant, on est en zone de conflit. J'espère que vous savez ce que vous faites. On y est presque. On devrait tomber sur une oasis dans le canyon. Vous perdez votre temps. Y a rien du tout là-bas. Je vous demande juste de m'y amener. C'est vous le chef. Si je comprends bien, on va être sur les traces du J'aime père. J'aime pas ça du tout. C'est juste... c'est la milice locale. Vous leur avez pas dit où on allait ? Ils m'ont donné plus d'argent que vous. Espèce de... Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils étaient pas censés nous canarder ! Sortez-nous de là ! Merde ! Oh non ! Non ! Non ! Oh non! J'ai passé comme un con. 5 QTE encore. C'est qu'une chute, j'espère. C'est là, quelque part. J'ai dit à lui, non mais... On est toujours vert comme ça là. Mais il me semble que papa en parlait dans ses recherches. Le tombeau du prophète serait caché dans les falaises au-dessus de l'une des cités perdues. D'après la légende, le prophète aurait été enterré dans une oasis. Je le savais bien. Une icône religieuse, très détaillée et incrustée de pierres précieuses. Byzantine, je dirais. Elle doit dater du 10e siècle. Ça colle avec la légende du prophète. Je crois que je t'ai enfin trouvé. Ok, je sais pas s'il y a des collectables ou des trucs comme ça, s'il faut déjà à droite à gauche. Arme.
Extraordinaire. Des inscriptions en langue ancienne. Ça ne va pas être facile de les déchiffrer à la volée. Mais je reconnais ce mot. Prophète. Nous y voilà. Papa avait raison. Ressemble à un indicateur. C'est du byzantin. Mais je n'y comprends rien. Pardon. Voici les miracles accomplis par le prophète de Constantinople. Injustement exécutés par les membres de l'ordre de la Trinité. C'est le prophète, en pourparlers avec une armée ennemie. Il les a convaincus de déposer leurs armes. Yeah. Par contre, c'est chiant que coup. Non. Ok, c'est lui là. Il guérit miraculeusement les malades. Ça, c'était mentionné dans les notes de papa. C'est juste, en fait. Il a guidé ses fidèles dans le désert, vers une oasis. Une porte secrète. Ouais. C'est extraordinaire. Si seulement papa pouvait voir ça. Il le voit pas ça. C'est obligé. Oh. Sur les escaliers. Ok, double. Chaud, hein. Ah non, ils sont déjà là. Il faut que je rentre. Les membres de l'ordre de la Trinité ont pourchassé le prophète. Et son peuple, sans relâche, jusqu'à ce qu'il les rattrape dans leur oasis cachée. Un passage.
pas trop envie. Hein. Merde. Allez, quoi. Ça donne vraiment, vraiment pas envie. Pour info, c'était moi qui jouais depuis. Une bataille a eu lieu ici. C'est pas une thématique. Des soldats en armes contre des pèlerins croyants. L'ordre de la Trinité. Le prophète, exécuté par les membres de l'ordre de la Trinité. L'ordre de la Trinité a appris que les fidèles du prophète construisaient un grand tombeau dans une oasis aux abords de Beroréa. Mais ce n'est pas tout. Nous pensions qu'ils bâtissaient ce tombeau pour leur prophète, mais il semblerait qu'il soit encore en vie. On nous dit qu'il prêche ses hérésies parmi la population locale, attirant chaque jour plus de curieux avec les récits de sa résurrection. C'est un menteur et un hérétique qui se targue de miracles dont seul Dieu est capable. Vous nous aviez assuré qu'il était mort. Auriez-vous échoué? Bon sang, j'étais presque. Ils vont forcer le passage pour entrer. Tomber, on fait quoi dans ce jeu? De fou, elle fait que tomber la pauvre.
s'en va. C'est ça. Pourvu que ça marche. Ok. Attacher les cheveux, non ? Ah, super. Vraiment que de la merde là, quoi. Incroyable. On a réussi, papa. On va aller de l'autre côté maintenant. Faut qu'on saute. Pas trop aller dans le dos. Sommet de la chambre principale du tour. Ouais, ça là-bas. J'aime pas l'eau. Pété là. Non. Oh mais c'était sûr. J'ai vu à 10 000. Bon sang, ils vont réussir à entrer.
pas descendre. Si on serait pas mieux à la manette en fait. Je sais pas quoi sert l'XP pour le moment. Maître, ce que vous dites est impossible. J'ai moi-même plongé ma lance dans le cœur du prophète. Je l'ai vu mourir. Ses fidèles auront sans doute vêtu un autre homme de ses habits ensanglantés pour perpétuer ses mensonges. Ils sont brisés, discrédités et exilés. Nous allons faire route vers le sud et passer le reste de son peuple au fil de l'épée. Mais le prophète est mort. Je vous le promets. Maître, je chevauche à la tête d'une petite troupe de fidèles, armés et dévoués. Et j'ai de bonnes nouvelles. Nous avons trouvé le tombeau du prophète. Des fous portant sa marque nous ont attaqués sur la route, mais nous les avons maîtrisés sans peine. Nous en avons laissé s'enfuir un, et nous l'avons suivi jusqu'à l'oasis. J'ignore si le prophète a survécu, ou si un autre porte ses habits, mais ça n'a pas d'importance. Tous ceux qui se trouvent ici vont mourir. Et cet endroit deviendra réellement un tombeau. T'as fait de ces sauts. Ça, en fait, je pense que ça me serait tombé sur la gueule, s'il est. Saute sur cette corde, je pense ça. Non. Putain, heureusement. Oh.
Ah, j'avais pas vu, putain. Je voulais sauter. Maître, les derniers fidèles du prophète se sont retranchés dans son tombeau. Nous avons monté notre camp à l'entrée et nous nous préparons à attaquer leur barricade. J'ai aperçu l'homme qui prétend être le prophète avant qu'il ne scelle les portes. Et je dois admettre que la ressemblance est frappante. Mais c'est impossible. Peu importe. Ils seront tous morts avant l'aube. L'ordre de la Trinité va mettre un terme à cette hérésie. Bien que ce soit... Léo, ça m'évite de lire. Il est parti là-bas, le truc. Reviens. C'est merde, pièce ancienne. Changer contre amélioration. Tiens, pas très vif pour le voir ça. Tu non. Ça, je vois rien d'autre. Ça a augmenté le niveau de l'eau ici, d'accord. On arrive là-haut. Enfin. Il est vide. Y a rien. Non.
échappé. Là, viens en bas. Posez les explosifs. Du prophète. Après tout ce temps. Et l'artefact ? À l'intérieur, si Dieu le veut. À l'intérieur, il va y avoir une surprise. Tiens. Ouvrez-le. Tu fais crucifier ou pas ? Ça pourrait être extrêmement dangereux. Vous êtes qui, vous ? Vous êtes une femme intelligente. Je pense que vous connaissez déjà la réponse. Les Trinitaires. Allez, donnez-moi l'artefact. Je ne sais pas de quel artefact vous parlez. Ne me prenez pas pour un idiot. C'est vous qui nous avez conduits ici. Écoutez, le sarcophage était vide à mon arrivée. Il n'y avait pas de corps et absolument aucun artefact. Elle est trop forte. Vite, c'est toi qui courais, c'est pas moi. Je suis presque. Mais qu'est-ce que c'est ? Pas trouvé là-haut. Tu l'as pas trouvé la croix tout à l'heure ? Comme ça ? Peut-être dans la montagne. En tout cas, j'aime bien, c'est assez prenant pour le moment. Les énigmes, c'est plutôt pas mal. J'ai tellement de choses à te raconter. T'as trouvé le tombeau du prophète ? Oui, mais j'ai été suivie. Quoi ? Mais par qui ? Ils se font appeler les Trinitaires. Ils ont essayé de nous tuer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu commences à me faire peur. Le tombeau était vide, mais je crois qu'ils étaient venus pour la source divine. L'artefact après lequel courait ton père ? C'est pas tout. Il y avait ce symbole dans le tombeau. Je me suis torturé l'esprit pour retrouver où je l'avais déjà vu. Et d'un coup, ça m'est revenu. Je l'ai vu ici, dans un des livres de mon père. C'est là, écoute. La cité perdue de Kitej, située en Sibérie. La cité aurait disparu dans le courant du XIIe siècle. Selon la légende, lorsque la horde mongole est venue envahir Kitej, elle a été engloutie sous un lac. Quel est le rapport avec l'artefact du prophète ? C'est le même symbole. Lara,
Si la source divine est cachée quelque part dans les ruines de Kitej, à attendre que quelqu'un la découvre, alors il faut que j'y aille. En Sibérie? Tu te fiches de moi? Réfléchis un peu. Si cet artefact est la clé du secret de l'immortalité, tu sais, ça mettrait tout en question. La maladie, la souffrance, la mort, t'imagines? Non mais est-ce que tu t'entends parler? Jonah, on a traversé tellement de choses ensemble. Tu sais qu'on est entouré de mystères. Tu veux pas savoir? Mais je m'en fous pas mal de savoir. J'ai perdu presque tous mes amis. Je veux pas te perdre toi aussi. Mon père n'avait pas fait le lien avec Kitej. Tu sais qu'il a tout abandonné pour ça. Toi y compris. Arrête de t'en vouloir pour ce qui s'est passé. Il est l'unique responsable. Je vais pas laisser tomber. Pas maintenant, c'est tout ce qui me reste. N'importe quoi! Si t'arrêtais de t'agiter 5 minutes, tu t'en rendrais peut-être compte. Jonah? N'essayez pas de nous arrêter! Putain, Lara! Qu'est-ce qu'on va faire? C'est moi qui leur ai montré la route. Si la source divine existe, il faut qu'on la trouve avant eux. Alors en route pour la Sibérie. Tu m'entends? Je suis au refuge! Jonah! Jonah! Si tu peux m'entendre... Tu dois rentrer. N'essaie pas de me retrouver. Je dois faire ça toute seule. Faut que je trouve un abri. Bien, on est reparti pour la neige. C'est fou toutes ces histoires qui lui arrivent, la pauvre. Là, on n'a pas d'armes, hein. D'accord. Je dois continuer. Essayer un truc. Est-ce que ça fait... Allez, tu peux y arriver. Bouge-toi. Un vieux campement. J'y suis. Qu'est-ce qui va péter, non? J'y suis presque. Je crois qu'il y a un truc bien, il y a un truc de merde. Oh.
Il faut que je fasse du feu. D'accord. Là, on rentre vraiment en mode survie, c'est ça? Dans les mouvements, je peux pas sauter ni rien. Ah, c'est plutôt bien fait. Il me faut des ressources pour construire un abri. Ok, ça devrait le faire. Pas suffisant. Toute la nuit. Bon. Il m'en faut plus. Tu me dois avoir entendu des loups. C'est assez sec pour brûler. Enfin, j'espère. C'est récent. Pas de quoi manger. Mais peut-être que. Ah putain, j'ai entendu. Hein. Me revoilà au campement. T'arrêtes pas de bouger. Je n'arrive jamais arrivé à faire du feu avec ça. Nos hommes passent les ruines des montagnes au peine fin. Si l'artefact est dans le coin, on le trouvera. Qu'en est-il des rescapés? Ils continuent à nous résister. Mais dans peu de temps, on aura réussi à les soumettre. Bien. Les Trinitaires croient en vous. Les Trinitaires. Il va me falloir un arc plus solide. Qui ? Si seulement cette douleur n'était pas aussi familière. C'est comme de regarder un vieil ennemi droit dans les yeux. C'est chouette, elle veut me détruire. Elle veut que je m'allonge et que j'abandonne. Tiens. Mais je ne veux pas. Je ne peux pas. Cet endroit cache quelque chose. Sinon, les Trinitaires ne seraient pas dans cet enfer glacé. J'espère juste que Jonah est sain et sauf. Qu'il a réussi à rentrer. Si. Je ne pouvais pas le laisser me suivre. Pas cette fois. S'il lui arrivait quelque chose. Ah oui, donc ça, je, je ne pourrais pas le supporter. C'est ma quête. Je dois la poursuivre seule. Ok. Entre différentes armes de comment statistique chacun pas unique.
crois, dans l'article. Ça. T'en fous. Alors, c'est bien ça. Quoi quand même, on va mettre un truc hyper au moins. Ça voyons. Alors castagneur, compétence de soins et de combat au corps à corps, compétence de chasse, compétence de fabrication et de fabrication. Je me fous. Sauvegarder, est-ce qu'on peut sauvegarder sa sauvegarde automatique? Je suppose.
Est-ce qu'on a un menu pour savoir ce qu'il faut faire, explorer la forêt? Ah, c'est la cité perdue. Ces ruines, elles sont d'origine mongole. Bon. Et non. Rien qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de bois. Ça. J'ai appris tout ce que je pouvais à propos du massacre dans le tombeau du prophète. Mes frères ont été tués, tous jusqu'au dernier au cours de ces derniers jours. Les fidèles du faux prophète ont péri par centaines, mais ils ont fini par l'emporter. J'ai scellé le tombeau du mieux que j'ai pu et dit aux habitants du village le plus proche que le prophète était enfin mort. Je leur ai interdit de révéler l'existence de ce lieu sous peine de représailles. J'ignore si le prophète a survécu, mais je vais suivre leur piste. Nul n'échappe à l'ordre de la Trinité.
faire des flèches. Passé. Ok. Qu'est-ce que c'est qui est tout? Ah ok. Ok d'accord. Je vais faire quoi alors? Lara, toujours pas décidé à entrer par la porte, hein? Mais ça va plus vite par là, papa. Viens par là, espèce de petit singe. Est-ce que tu t'en vas pour une nouvelle aventure? Oui, la plus importante de toutes. À partir de maintenant, je t'annonce que je serai ton assistante. Oh, tiens donc. Eh bien, ma chérie, tu sais que j'adorerais t'avoir comme assistante, mais ce travail est beaucoup trop dangereux. Lara, écoute-moi bien. Je pense qu'un jour tu marqueras le monde de ton empreinte. Je serai le plus fier de tous les papas. Tu m'excuses, ma chérie, je dois répondre. Il faut que je pense cette blessure. Ces feuilles devraient arrêter le saignement. Il faut de quoi faire un bandage. Un plein tuto en fait. Qu'est-ce que c'est tout ça là? Des installations datant de la guerre froide. Qu'est-ce que les Trinitaires mijotent là-dedans? L'affaire.
encore des ruines mongoles. Ce chemin a l'air d'aboutir de l'autre côté de la grotte. Je vais devoir affronter cet ours. Trouver un moyen de neutraliser l'ours. Eh, merci. Bon, je passe, moi. Bien en arrière, en fait. Que je trouve une arme en fait. Ouais. Je suis tombé de là, je crois. On en plein dedans. Ces champignons, ce sont des amanites tumouches. Parfait pour faire du poison. C'est qu'elle a vu des champignons. Là-dedans, je voulais en ramasser. Ah, s'il y en a, je devrais pouvoir faire quelque chose avec tout ça. Je vais retourner au campement voir ce que je peux faire. C'est tout. Pas oublier qu'on a vu des loups quand même tout à l'heure là. En tout cas. Allez, fabriquer des flèches empoisonnées. Tac. Julie, est-ce qu'on peut y faire la maquiser? Ça en fait.
prendre ça là. Ça. Ça va gagner plus d'XP. Faut que je me repose. Bah, repose-toi. Je suis gelée. Épuisée. Non, vous allez m'écouter. Cette découverte est beaucoup trop importante. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ma réputation? Ne vous avisez pas de me menacer, après tout ce que j'ai fait pour... Allô? Allô? Papa, qu'est-ce qui se passe? Imbécile! Tu me fais peur, papa. J'y suis presque, Lara. À deux doigts d'une découverte capitale. Un jour... tu comprendras. Mais je m'en fiche, moi, de comprendre! J'ai juste envie que tout ça s'arrête! Et que tu redeviennes mon papa. Sophia, t'arrêtes pas! Allez, on les tient! Qui c'est ça? T'arrêtes pas! Cours! Descendez là! Michel, pas quitte à faire. Où est-ce que vous en êtes? À vous. On a trouvé un autre campement ici. Le feu est encore chaud. Ils sont pas loin. À vous. La liaison est mauvaise. Ne vous éloignez pas. Il faut qu'on les retrouve avant qu'ils organisent un autre raid. Commandement, on se déploie pour retrouver la piste. Ils sont... à couvrir. Salut Wina. Ah ben merci, ça fait un petit moment que j'avais envie d'y jouer. J'ai jamais fait celui-là en plus. Il me parle, genre j'ai peut-être tué un esprit dessus. Passez le message. Les natifs ont posé des pièges dans la clairière. Ils savaient qu'on allait se lancer à leur poursuite. Putain de merde. Ouais, c'est plutôt. Ouais. Ils se repliaient pas. Ils nous ont bien eu. Ils sont toujours là. Oh, je suis pas très très doué, hein. Mais bon. Rinker a été tué au combat. Il va falloir que quelqu'un le descende de là. Oh, bah avec plaisir. Je te demanderai. Pas de soucis. Descendre, je pense qu'on doit. Bah avec plaisir, moi je. Je suis pas du style à dire no spoil. J'ai l'impression qu'on puisse le faire descendre lui. Ah.
marche. Après, c'est pas dit que je fasse du 100%, hein, mais... C'est même pas dit que je finisse le jeu. Je vais essayer d'aller au plus loin, le plus loin possible, déjà ce sera pas mal. Voilà, il y a du monde encore. Prends la radio et essaie de joindre le complexe. Dans leur dernière transmission, ils ont dit qu'ils étaient attaqués. Mais depuis, rien. C'était seulement quelques minutes après avoir croisé les natifs près des ruines. Après ça, ils ont tout fait pour qu'on se déploie. C'était une embuscade. Ils voulaient qu'on s'éloigne du complexe. À toutes les équipes, ouvrez bien l'œil. Les natifs ont posé des pièges dans les bois. Mais il y en a beaucoup. Qu'il y avait tout ce monde. Est-ce qu'on peut tous les tuer? T'as tous fait toi les Tomb Raider? À 100%, ouais. Tomber sur une pro, sur un pro. Ça aussi. On se prépare. J'ai pris le premier vol pour la Sibérie afin de sécuriser l'ancien complexe soviétique. De nouveaux arrivants font constamment leur apparition. Pendant le discours que Constantin a fait pour les nouvelles recrues, je suis resté en retrait pour observer. J'adore l'entendre parler, je m'en lasse pas. La foi n'a jamais été mon fort, mais uniquement parce que les mots n'avaient aucune prise sur moi. Là, ça n'a plus rien à voir. Il révèle la vérité. J'étais un homme brisé, mais la Trinité nous a rendu ce qui nous manquait, une raison d'être. Un monde nouveau nous attend. Même les non-croyants auront leur rôle à jouer. Plus rien pour me soigner. Et oui. C'est tout le temps la même chose. Là-haut, on a le l'ours. Est-ce que j'ai tout ici? Faire des trucs avec ça. Ah, j'aurais pu les faire péter, je pense.
Ces mots ressemblent à... du mongol. Mais ce qu'ils disent reste un mystère. Non, je le fais pas à 100%, non. Je pense pas que j'aurai le courage de le faire à 100%. Je crois qu'il est assez complet comme jeu. Beaucoup de choses à faire, il me semble. Je dis pas de bêtises. Hein. Comment changer de pêche? J'espère qu'ils me le diront. J'avance doucement, mais je suis sûr que ça sert à rien. Un peu serré pour se battre. Ah, le bouton central. Tirer dehors. Tirer dehors, mais comment? Moi, je peux monter sur ces branches. Non, je sais pas. Ah merde, je croyais que j'étais morte. Là oui. Oh, il va falloir une meilleure technique, hein.
Un peu serré pour se battre. Si on lui mettait une flèche empoisonnée direct. Mieux vaut la tirer dehors. Ça devrait le ralentir un peu. C'est bon. C'est pas très compliqué au final. Si je fais ça, ah ouais, d'accord. Fabrication rapide. Ok. Ça se pète ce mur. Est-ce qu'il y a d'autres? Il y a des moments tu dois être en train de bouillonner, de te dire mais fais ça. Si ça le fait pas encore, ça va venir. Tu les connais par cœur. Là, quand tu me vois en train de chercher, tu dois te dire alors que tu sais où c'est les choses. Ah ok. J'étais sûr que j'avais loupé des trucs. Le prophète et ses fidèles voyagent à la faveur de la nuit, suivant un tracé tortueux qui longe la frontière de l'Empire byzantin. J'ignore où ils vont, mais je les soupçonne de ne pas le savoir non plus. Ils savent que nous les poursuivrons jusqu'à ce que cette hérésie prenne fin. Les paysans qui habitent la frontière acceptent de l'héberger, et curieusement, tous ceux qui l'ont aidé refusent de me dire ce qu'ils savent. J'ai beau les menacer de la colère des Trinitaires, ou leur mettre le couteau sous la gorge, ils gardent le silence. Ils meurent sans jamais le trahir. Le prophète exerce un étrange pouvoir sur les gens. Raison de plus pour l'éliminer. T'as raison, c'est une bonne façon de voir. Et t'as mieux, régale-toi alors. Principal. Là, ça sera pour remonter. Ah, oh, c'est chiant, j'arrive pas à tomber sans m'accrocher. Ah. Voilà.
Merde. Ça va être froid. Ça va être froid, pas le choix en plus, je crois là. Une pointe de flèche en os. Elle est de facture mongole, on dirait. Un PESA, c'est une sorte de passeport. Son détenteur était un représentant de l'Empire mongol. Qui écrit dessus ? Ça dit, par le pouvoir des cieux éternels, sur ordre de l'empereur, quiconque manque de respect est coupable d'un crime. Alors, tu vas peut-être pouvoir m'aider sur les compétences, justement. Parce que je suis extrêmement nul en général sur quoi choisir pour les compétences. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu pars sur quoi? C'est le jeu. Castagneur? C'est le seul truc où j'ai rien pris encore. Castagneur, après survivant, ok. Marche. Ok. Ah, c'est pour le premier. Ça on est plein, très bien. Ok, continuez. Oh, on passe, on monte. Ça on... Parce qu'en bas y'a rien. C'est bon. Une galère de guerre byzantine. Comment est-elle arrivée là? Magnifique ce jeu.
C'est Mongol. Mais ils sont bien passés par là. Je dois pas être loin de la cité perdue. C'est mystère pour gagner des... ça. Plus précieuse. Ça, l'entrée. Il doit y avoir quelque chose là-haut. C'est ça. Si. Espérons que le bateau se casse pas la gueule. Maria Adula est perdue. La glace a cédé, et sa coque s'est brisée en deux. Qu'importe. Je ne pourrai pas pointer ses canons sur le faux prophète comme je l'espérais. Mais nous allons continuer à pied. Six des plus éminents membres de l'Ordre de la Trinité m'accompagnent, et nous avons rassemblé des vivres et du matériel en affamant l'équipage. Ils ne le savent pas encore, mais ils vont donner leur vie pour la cause. Mes hommes et moi réussiront à sortir de ces cavernes de glace et reprendront notre route. Avant que le navire ne soit englouti par la glace, nous avons entendu de la musique venant du sud. Ce sera notre première étape. Mais avant, je dois me reposer. Le froid transperce mes os et je suis fatigué. Pardon. Ok. Bon, le truc là, je peux passer ou d'un côté ou de l'autre en fait. Oui, ça a marché. On va le bloquer ça ? Qu'est-ce qu'il faut ? Pas ça. Ah. Ok, il faut que j'aille plus vite. Hein.
plus vite pour péter la glace de l'autre côté. Mince. Et... oh. Non, si, non. Aïe. J'étais, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Putain, pourquoi je tombe à côté? C'est pas visé ou quoi? Ah, t'inquiète pas, je m'énerve pas. Et non. Toujours pas. Qu'est-ce que je fais mal? Stabilise ici avant. Non. C'est pas sur celui-là qu'il faut que je saute en fait. Je vois que ça à faire, juste que je comprends pas pourquoi je saute, j'arrive pas à sauter dessus. Ah mais voilà. J'ai pas compris ce que j'avais fait, ce que je faisais de mal, mais bon. C'est bon, super, allons voir ce qu'il y a là-haut.
sais s'il y a... Je sais pas sur quoi tu as joué du coup, mais est-ce que tu sais s'il y a une touche pour juste lâcher la prise? Là, si je veux me laisser tomber, je sais pas quelle touche il faut utiliser. Ça alors, pourquoi transportait-il toutes ces richesses avec eux ? Tu peux toujours me dire, mais c'est ici déjà cette crypte. Je pensais que c'était plus loin que tu m'en parlais. La manette c'est B. Non, je joue clavier souris. Alors ouais, bah écoute, tu me diras. Ouais. Je suis preneur. Codex détaille les techniques d'archerie des ennemis de l'Empire byzantin. Successive. C'est par là peut-être. Il y a quelque chose là. Une broche byzantine. Les mailleries splendides. Ce portrait a été effacé. On dirait qu'il représentait le prophète. Ils devaient être obligés de dissimuler leur foi. Dont je te parle, pas les dîner. Ok. Ok. On va essayer, écoute. Pire, si jamais je pète un câble et que j'y arrive pas, je reviendrai sur mes pas. Dans l'eau, la pauvre. Merde. Bah, super. J'ai vu qu'il fallait nager plus vite, mais ouais, je m'y attendais pas en fait.
Le prophète en fuite a franchi les limites de l'Empire et se dirige à présent vers le nord. Je suis désormais en terre inconnue. L'ordre de la Trinité a été clair. Je dois poursuivre le faux prophète et ses fidèles jusqu'où il le faudra et purger le monde de cette hérésie. Mais je croyais que je l'aurais rattrapé il y a des mois de cela. Il ne cesse de m'échapper. Il traverse le pays Khazar et les montagnes du Caucase. Ici, je perds mon avantage. Je parle une douzaine de langues de l'Empire, mais dans l'arrière-pays, je n'arrive guère à communiquer qu'avec la pointe de mon épée. Le prophète, quant à lui, semble parler toutes les langues, comme si cela lui était inné. Sous l'eau qu'on vient de passer, là, il y a une caverne secrète. Bon, je vais pas y retourner. T'as vu comme je suis agile sous l'eau, faut mieux pas que j'y aille. Complexe soviétique. Je ne suis pas ton ennemi. C'est à moi d'en juger. C'est toi qui as tué ces hommes là-bas. Ils ne m'ont pas laissé le choix. Tu connais ce genre de dilemme. Ça fait longtemps qu'ils sont là ? Quelques jours, tout au plus. Ces envahisseurs ont capturé beaucoup d'entre nous. Tu devrais quitter cet endroit avant qu'il ne soit trop tard. Je ne peux pas partir. Je suis venu faire quelque chose d'important. Je suis sûr que aussi. La prochaine fois que je te vois, je te plante cette flèche dans la gorge. Toi et moi, on est dans le même camp. Laisse-moi juste le temps de te le prouver. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Qu'est-ce que... Il y a donc des gens qui vivent ici. Ils sont installés depuis très longtemps, semble-t-il. Ils vivent en autarcie depuis des décennies, voire des siècles. J'ai remarqué certains éléments de sa robe, de petits ornements qui n'auraient pas détonné à l'époque de l'Empire byzantin. Se peut-il qu'ils soient des descendants du peuple du prophète ? Que savent-ils au sujet de la cité perdue et de la source divine ? Il est clair que les Trinitaires ne reculeront devant rien pour le découvrir. J'ai peur qu'ils courent un grand danger, qui qu'ils soient. Espérons qu'ici aussi, l'ennemi de mon ennemi soit mon ami. Yes, ok. Je te lirai, pas de soucis. Est-ce qu'on peut faire des trucs? Mission. Je fais une petite pause. C'est 2-3 minutes, je fais pour un coup. Suite. Alors.
Heureux. Allez. C'est parti du coup pour la crypte. Alors, quand tu descendras, tu iras sur le bord de la falaise opposée à ta descente. Et longe cette paroi. Ah, une interstice entre deux falaises, entre la crypte en question. Donc. Là, je descends déjà, on est d'accord. Sans par la tyrolienne. Tyrolienne. Celle où je viens de descendre là. Ici. C'est en face. Pas par où. Peut-être en descendant. Ah d'accord. Effectivement, il faut le trouver ça. C'est de là d'où je vis. Je trouve qu'elle se déplace. Que la reine se déplace trop vite. Des petits trucs comme ça, ils devraient la ralentir un peu. Cocos de Nicée, l'astronome. J'aime bien prendre le temps en fait de regarder. Ce n'est pas des moments. Hein. Des zones comme ça, j'aime bien avancer doucement. S'ils la font courir. Alors voilà, comment lâche. Ok. Cherche un cercueil. Thank you.
faut pas hésiter à aller vraiment partout, ça marche. Je suis déjà perdu. C'est de là d'où je vis, ça me l'est. Ouais, ça part dans tous les sens. C'est par là. Tu me l'avais dit, oui. Un prophète doit avoir des fidèles. Cocos de Nicée fut l'un des premiers. Considéré comme un hérétique dans sa ville natale, Cocos rejoignit le pèlerinage vers le nord. Sa connaissance des étoiles contribua à orienter le groupe. On raconte que Cocos et le prophète pouvaient s'asseoir des heures durant sous les étoiles pour débattre de la nature de l'univers et de la place incertaine de l'homme à l'intérieur. Pour le prophète, il construisit un planétaire, de sorte que même pendant l'obscurité de l'hiver, il pouvait contempler le ciel nocturne. Impressionnant tous ces détails. Moi, j'ai pas l'impression qu'il faille y aller. Il y a des traces. Oh, chose. Non, le cercueil à trouver. Pif. Elle est par là. Les cryptes, c'est comme ça. Comment ça, c'est comme ça, c'est comme ça, labyrinthique, tu veux dire? Ah ouais, à mettre. Chatte. J'ai trouvé un cercueil. Aperçu, c'est clair. Là, les cercueils. Ah, ça va, en fait, c'était pas... Je pensais que c'était encore plus que ça. C'est vrai que ça part un peu dans tous les sens, mais ça reste quand même assez cadré, ça va. Je pensais que tu pouvais sortir en fait et passer à côté du cercueil.
Là, si tu fouilles tout, tu... J'ai le trouvé, quoi. Sous Dark Lansing. Câble. Parce que j'ai pas du grand chose. C'est la CD. Sinon, si. Ça marche, mais je te demanderai si jamais je me sens bloqué, gentil. Donc alors, il me semble que là-haut, il n'y avait rien du tout. Une espèce d'ascenseur, c'est bon. Ah, ça aurait été dommage. Taper, t'as raison. Je peux pas faire grand chose pour l'instant. À toutes les unités, voilà nos ordres. Constantin a quitté la prison. Il n'aura pas fallu 2 jours en Sibérie pour que ça arrive. J'ai passé 2 ans en Afghanistan, et 1 an en Indonésie, et rien. Mais après à peine 1 jour ici sur la glace, et voilà que je descends ma toute première cible. J'ai regardé le regard de cet homme se voiler, alors qu'il me suppliait de faire quelque chose. Aucune idée de ce qu'il disait, je suis pas russe. J'ai attendu à ses côtés tout en l'observant. Il était là. Puis la seconde suivante, plus personne. Juste un tas de chair. Je vomis dans la neige au beau milieu du sang du gamin. Il n'est plus qu'un tas de viande et moi, je suis en vie. Constantin ne cesse de répéter que nous sommes ici pour une raison précise. Que nous remplissons une mission divine. Je commence à comprendre ce qu'il veut dire. Du coup, si je dois récupérer de l'XP et tout ça, c'est plutôt intéressant de les faire. Ouais. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Putain, il faut vraiment qu'on rétablisse la liaison. C'était hallucinant. Un enfoiré avec une hache, avec 3 mecs armés devant lui. Rien que ça. Je sais pas comment ils ont réussi à en capturer un vivant. Mais c'est qui, en fait, ces gens? D'après l'équipe de Reco, il y a... Je vais voir ce que c'est. Reçu. C'est quoi? Ne retourne pas, toi, reste là-bas. Je crois que c'était par là. J'ai hâte de te voir, arme au poing, je suis sur la curiosité. Je rentre dedans, peu discret. Alors moi j'aime bien être discret. Le problème c'est que j'y arrive pas. Donc en général je tue les premiers discrets et puis après je me fais avoir. Voilà. Sinon ouais, si j'y arrivais je serais plutôt du style furtif.
La sonde d'atterrissage. Il y en a d'autres qui arrivent. Les femmes qui ont le doigté pour la discrétion. Les mecs, ça me gonfle vite d'être patient. C'est pas que ça me gonfle vite. C'est que. Je me fais avoir. Constantin attend mieux de nous. Quelqu'un va devoir payer pour cette erreur. Occupez-vous d'abord des balles réelles et séparez les rations. À mon avis, on sera bien content de les avoir sous la main. Oui, chef. Presque toutes brûlées dans l'explosion. Ça, c'est une grosse perte. On devrait poser des pièges tout le long du périmètre. Je peux installer quelques jolies surprises avec ça. Où est-ce que ça venait ? Tu vois, par exemple, je vais arriver à en battre 2-3, et puis après, le mec qui est là-haut, je le vois qu'il y a un mec là-haut. Il va me voir. Faire avoir. On a un mort. Deux morts. Position de la rate. J'ai jamais fait ça. Des balles de 9 mm, des fusées de détresse. Où sont les munitions? Qu'est-ce qu'elle a fait? Pas fait attention. Je suis maintenant. Se redresser d'un coup derrière le mec. On pourrait dire coucou juste derrière toi. Ah, j'ai pas fait attention. Ouais. Je sais pas ce que je fous avec ce lanterne. Tu vois quelque chose près des clôtures? Rien. Mais la première fois non plus, on les avait pas repérés avant qu'ils soient à l'intérieur. Ils connaissent bien la configuration du site. Merde. La voie et le chemin se mélangent, mais
Et tu vois, finalement, j'y suis arrivé en furtif. Je sais que j'ai déjà accepté des boulots illégaux et que ça ne te plaît pas. Mais je pouvais pas refuser ce contrat. Ça fait des années que j'essaie de décrocher un job pour les Trinitaires. Ils sont discrets, paient bien, et il y a toujours quelque chose à faire. Mais maintenant que j'y suis, je veux tout plaquer. Nous sommes dans une installation soviétique désaffectée au beau milieu de nulle part. Personne ne dit ce qui se passe aux Troussions que nous sommes. Mais je me demande si je suis pas en train d'aider une bande de cinglés à mettre la main sur une bombe nucléaire ou un autre truc dans le genre. Réponds-moi si tu reçois ce message. J'ai sécurisé un canal sur le réseau. J'aurais imaginé qu'une opération de cette envergure aurait un système de sécurité digne de ce nom. Mais ce doit être pour ça qu'ils m'ont engagé. Les plaques sur les murs, à lire. Ah ouais, les plaques comme ça, d'accord. Merci. Une vieille plaque soviétique. Lénine a vécu. Lénine vit. Lénine vivra à jamais. J'imagine que la statue, si j'avais... j'avais regardé, j'aurais eu des points aussi. Ah non, bon. Au moins ça répond à ma question, merci. Voilà, là, c'est moins ça. Regardez la taille de la map. C'est pas exactement ce que j'ai fait. J'ai fait 47%. Bien avancé quand même. Bon, là, je sens. Anna, c'est qui on l'a vu une fois. C'est la belle-mère de Lara, la sœur. Non, c'est pas la sœur. Ouais, c'est la belle-mère, c'est ça. Tu es aveugle ou quoi?
veut pas parler, il va se vider. Il me donne un pistolet, mais est-ce que j'utilise? Mais on les fera souffrir bien comme il faut avant. Cécila, dis-nous ce qu'on peut savoir. Où se cache ton peuple? L'armée rouge arrive. Cela fait des semaines que je les observe, tandis que des centaines d'hommes construisent le monstre de fer sur la glace. Beaucoup d'entre eux sont morts, leurs corps gelés, éparpillés dans la toundra. Aucun rite funéraire, pas d'enterrement ni de crémation. Ces envahisseurs sont des hommes cruels et sans foi. Viennent-ils pour piller les métaux précieux de la montagne? Ou, comme tant d'autres avant eux, sont-ils attirés par la source divine? Mon peuple doit à nouveau se préparer pour la guerre. Bonne nuit. Voilà tout à l'heure. Dimas, allez, d'accord. Ils l'ont capturé, enfermé. Il faut. Oh non, 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 non. Je sais pas pourquoi je sens qu'on va me donner un crochet. Je t'avais confié cette mission. Oui, monsieur. On ne s'attendait pas à autant de résistance. Tu étais censé être mes yeux. Tu devais regarder pour moi. Est-ce que tu as bien conscience de l'enjeu de cette opération? Oui, mais... Non. Non. Je ne crois pas. Non. Comment quelqu'un comme toi le pourrait? Doucement. Doucement. Peur de la souffrance. D'ici peu, nous toucherons au but. Mais il faut que nous restions vigilants. Si nous y parvenons, un nouveau monde verra le jour. Un monde dont nous serons les créateurs. Constantin, vous êtes attendu à la prison tout de suite. On a un captif qui a l'air d'en savoir long sur l'artefact.
Restez fidèles, et vous partagerez la gloire de la source divine. Au secours ! S'il vous plaît ! Qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Que personne ne le touche. De carburant ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce truc a plus de 50 ans. Je pense que la vanne a lâché. Allez, il faut stopper la fuite. Après cette attaque, on peut pas se permettre d'avoir plus de pertes. Ok, je m'en occupe. Il faut maintenir ça en place. On n'a pas encore réglé notre problème de fuite de carburant. Donnez pas l'alerte, on est... Encore égouillé. J'ai besoin d'un coup de main. Levez la tête, attention ! Je me mets à couvert ! Ah, je suis foutu. Tu vois ce que je disais ? Ouais, je les avais pas vus là-haut. Finissons-en. Premier, je me suis fait avoir. Entrée. Essaye d'être furtif, mais non. Oh non, donne ça. Souffrez. Encore de la propagande soviétique. La nuit ne nous empêchera pas de travailler. Je vise pas bien du tout. L'éliminé en Syrie est ici. Il est violent et dangereux. Mais le pire, c'est qu'il semble se consacrer corps et âme à ses croyances tordues. Apparemment, il a le chic pour se brouiller avec les fanatiques religieux. Mais j'imagine que ce lieu n'y est pas étranger. Qui d'autre se mettrait en quête du secret de la vie éternelle ?
Via la radio, ces hommes ont parlé d'un prisonnier détenant des informations. S'agit-il de l'un des habitants que j'ai rencontrés? Et que sait-il? Les Trinitaires ne sauront pas attendre pour le découvrir. Je pourrais peut-être le retrouver, le questionner sur ce qu'il sait. Il pourrait être judicieux de gagner la confiance des natifs. J'ai deux pistolets, moi. J'en ai même plus que ça. Je peux prendre ce que je veux là, je comprends pas. Celui-là. Je sais s'il y en a pour long encore dans ce niveau avant d'arriver à un moment clé, on va dire. Quitte à continuer ou à m'arrêter là et reprendre demain. Un petit peu, ouais. Pas loin. C'est un peu encore. Allez. Je commence à fatiguer un petit peu là. Ah bah merci, c'est gentil. Pour le follow. Je vais me faire repérer si je passe par là. Il doit bien y avoir un autre accès. Je vais me faire repérer si je passe par là. Tiens, joue ce cri des voix.
c'est pas pour passer. Ces billes ont été polies par les frottements. Même retourner au feu de... quand même vite fait. Bonne compétence. Fait ça. Pas le péter ça, j'aurais cru. Oh merde. J'ai pas vu cette tyrolienne. Ne tirez pas, je ne suis pas hostile. Je sais pas s'il y a besoin de les prendre, les... Ross insiste pour que j'apprenne à tirer. Il a essayé de me montrer aujourd'hui. C'était une catastrophe. Comme je dis toujours, sur le terrain, une canne et de bonnes bottes sont tout ce dont on a besoin. Je lui ai dit que mon domaine de prédilection était les mots, pas les armes. Il a ri et répondu qu'il espérait que je saurais trouver les mots nécessaires pour ralentir la charge d'un bison. J'ai rétorqué que c'était pour ça qu'il était là, mais je lui rends grâce d'avoir essayé. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres leçons. Ross a toujours dit que je devais tenir mes yeux perçants et mes mains stables de maman. Cet été-là, c'est à moi qu'il a appris à tirer. J'ai été une bonne élève. Peut-être un peu trop. Ok, mais du coup, si on est prochain niveau, des les ralentira. Je vais peut-être discuter avec lui et après on va s'arrêter là. Qui êtes-vous? Tout ça peut attendre. C'est grand, lui. Si vous voulez des réponses, écoutez attentivement. On a réussi à détruire l'ancienne tour radio, mais ils restent en contact grâce à des antennes relais. Il faut les neutraliser. Aidez-moi, et je dirai aux autres qu'ils peuvent vous faire confiance. Couché. Je vais y jeter un œil. Parfait. Le temps presse. Ah. Et les loups là-bas. Bon, bah du coup, on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé, de m'avoir aidé surtout. Sympa, merci pour ton follow.
puis peut-être je continuerai demain. Je verrai. Voilà, passez une bonne soirée.